Ah, rebattez, rebattez, Nadia. Regarde, mec. Baden-Baden, Baden-Baden, Agnia Baden-Baden, Baden-Baden. Salam, salam, Thadathi wandilula, Ani dhav ghruha, Sakel jdouda dqla. لم صلى لم صلى عم ثدر في وندي ذكرى أعين دارو زدغى أغسك الجدود دسى De tout temps l'homme naît sur la terre de ses ancêtres. Il rêve de partir et de connaître d'autres contrées. Mais quel que soit l'endroit où il se trouve, proche ou lointain, il reviendra toujours à ses origines. Est-ce le cas de l'artiste Zayen? On va découvrir son histoire de l'Emsela à Baden-Baden, en Allemagne. Tel un petit grain sur les cimes du Djurdjura, l'Emsela est un village de 436 habitants aujourd'hui. Il se trouve dans la région d'Azazga en Kabylie. Cinq maisons au moment de la Révolution. L'Emsela est un village oublié jusqu'à un passé récent. Il doit son développement à la seule volonté de sa population qui fait du volontariat et de l'entraide communautaire son credo. L'Emsela est un village connu pour ses figuiers et ses oliviers. Mais au-delà de ça, le village fait vivre une association appelée Tirilt, créée dans les années 90 par un groupe de jeunes volontaires qui investissent énormément d'énergie dans le développement de leur propre environnement. On ne peut pas parler de ce village sans parler de Zayen, connu surtout grâce au succès d'une de ses compositions, Baden Baden, une chanson qui a rencontré un franc succès. Soyez les bienvenus au village L'Emsela. Merci d'être venus. Nous sommes heureux de vous accueillir. Vous embellissez le village. Hier, j'ai fêté mes 55 ans, mais j'ai l'impression d'avoir eu 20 ans. J'ai vu l'accueil chaleureux des villageois. Ils sont fiers de lui. Mon fils est content et nous le sommes tous. Je suis très touchée, car je sais comment je l'ai élevé. Il a eu une enfance difficile. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails, et la chanson a été une sorte d'échappatoire. Petit, déjà, il utilisait ses couverts comme instrument de musique. Sa tante décédée l'a constaté, et elle m'a dit « Ton fils deviendra un artiste ». C'est vrai, mais moi je voulais qu'il chante, mais également qu'il fasse des études. C'était un bon élève, et je craignais que la chanson l'empêche de poursuivre ses études. Mais finalement, Dieu merci, il a atteint son but. Il est arrivé à Baden-Baden, et encore plus loin. «
Zayen va nous faire découvrir sa maison familiale, celle où il est né et où il a passé son enfance entouré de ses parents, de sa grand-mère et de ses frères et sœurs. Il aime à y faire des séjours auprès de ceux qui le reconnaissent. Ce lieu est aussi, à l'évidence, un moyen de se ressourcer. Tu es né ici, mais tu as été élevé dans la chambre à côté. ولاش كام والروايين زكزاون العوان صارق ومن قرن كل شي يغلد الصحراء ولاش كام تجرات السغلة فريوان السركان تيوكيوان أقلان ولا سلجدران هذه المكان طاب استخدام زيان اسمي اسمها لكل وكذاك يشفى افكار طاب الشاقبين هذا السنية تبانو بلي ميت الجيري يولي ثوبار تلعو تسني ترا تحاولو جيتار جاء افكار طاب لي وثيرا هلي بوهم جولي اشتك 80 دينار Il grandit, ses rêves aussi. Il est déjà au-delà des oliviers, avec son envie d'aller voir ailleurs, de partir accomplir le rêve du vieil homme, d'aller là où les hommes, femmes et enfants de son village rêvent tous de partir, d'aller à Baden-Baden. Baden-Baden. Il prend le train, direction Baden-Baden. Guitare sur le dos pour arriver dans le décor d'une histoire vraie et touchante, celle des deux Kabyles que le hasard avait fait se rencontrer, et aussi pour découvrir une de ces villes d'Allemagne où les riches sont si nombreux. Entre termes, belle résidence, cadre de vie idyllique et vie culturelle florissante. Avec Madame Oran, qui est notre guide justement pour nous montrer un petit peu la ville de Baden-Baden, qui est très sympa. On la remercie infiniment, qui va nous parler un petit peu de l'office du tourisme. En fait, L'office du tourisme, oui, il est dans ce qu'on appelait la buvette au 19e siècle. Ça a été construit au 19e siècle. Hein, et au 19e, il fallait être vu. Donc, c'est le but de cette longue galerie où les dames se pavanaient avec leurs verres d'eau thermale. Hein. Et puis, il y avait des gens comme Tourguenieff. Il y a eu beaucoup de romantiques français, hein. Il y a eu Musset, il y a eu tous ces gens-là qui sont passés par Baden. Il fallait être vu ici, c'est clair. D'accord. Et c'est encore maintenant Baden, l'une des villes thermales au monde, qui est vraiment le plus connu en fait. Hein. Que ce soit les Américains, que ce soit les Chinois, les Japonais, tout le monde connaît Baden-Baden. Hein, et ils viennent tous, c'est plus connu que certaines grandes villes d'Allemagne. Baden-Baden vaut le voyage en toute saison et se vit comme une passion pour Zayen. Cette ville donne un certain cachet à son dernier album. L'empreinte de Baden-Baden sur son enregistrement le pousse aujourd'hui à vouloir illustrer ce titre, caméra en main. Une ville merveilleuse au demeurant, qu'il a eu la chance de visiter déjà plusieurs fois. Et puis, une évidence, il ne pouvait ignorer la beauté du rêve inachevé du vieillard. Rappelle l'histoire d'un soldat kabyle qui en 1945 refuse la guerre et se fait déserteur. Cette désertion a été l'occasion d'heureux moments, comme par exemple l'amour pour une Allemande, qui l'a littéralement désarmée par sa beauté. Cette femme symbolisant la liberté et les sentiments profonds. Le soldat, revenu au pays, après le conflit, raconte son histoire vécue à Baden-Baden, à un jeune homme qui se met à rêver de liberté, d'amour, de beauté, d'espace,
d'alcool et de femmes. Ce jeune vit avec l'espoir de connaître cette ville. Mais devenu vieillard à son tour, il échouera avant l'ancrage du bateau dans son voyage plein d'espoir vers Baden-Baden, la ville de ses caprices inavouables. On a pensé en fait au général de Gaulle. Oui. Lui qui a pris la fuite en fait dans les années 68, c'était en mai, hein. On est au mois de mai là. On est au mois de mai. Donc il a pris la fuite à Baden-Baden. Oui, parce qu'il y avait le général Massu. D'accord, pour rejoindre le général Massu. Massu, et pour chercher un refuge. Mmh. Bon, il pensait peut-être y passer quelques années, mais enfin le général Massu, qui n'avait peur de personne, lui a dit, écoute, tu n'as rien à faire ici, tu repars à Paris, je te donne 10 soldats si tu veux, ça, pas de problème, tu auras autant de soldats que tu veux, mais toi, tu repars. Donc il est reparti en hélicoptère. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la maison de Brahms? Oui, alors la maison de Brahms, quand Brahms est arrivé, parce que Clara Schumann était là. Et se retrouve à côté ou un peu plus loin de la ville en fait, la maison de Brahms? C'est au bout de la ville, à D'accord. l'extrémité de la ville. D'accord. C'est une petite maison forêt noire, D'accord. c'est-à-dire de bois, couverte de bois, comme un poisson, avec des écailles. Hein. Et il y venait, donc je vous ai dit, de mai à octobre. D'accord. Et il louait un petit appartement. Hein, c'était pas sa maison, on dit la maison de Brahms, mais c'est pas sa maison. Il louait un appartement meublé. Et dans quelle année ça? C'était quoi? Mais c'était en 1862. D'accord. Hein, donc il est venu encore pendant 10 ans à ce moment-là. Et puis après, bon, cette maison appartenait à une vieille dame qui a désiré vendre cette maison. Et il y a une vingtaine d'années, c'était déjà décidé. Il y avait un promoteur, parce qu'ils sont partis pareil, qui avait décidé de raser la maison et de construire un horrible bloc. Et il y a un amoureux de la musique de Brahms qui a acheté la maison, qui s'est empressé tout de suite de la mettre sur les monuments historiques, qui a restauré la maison, qui a fondé la société Brahms à Baden. Et pour moi, bon, il y a toujours ce petit appartement qu'on peut visiter, mais pour moi, ce qui est presque plus important, c'est que cette société Brahms donne des bourses. Donc ils ont construit en dessous un studio, où il y a des étudiants ou des jeunes du monde entier qui ont une bourse. Malheureusement, seulement un mois ou deux mois, pas plus longtemps, parce que c'est toujours plein. Il y a des Chinois, il y a des... En ce moment, c'est un Brésilien qui est en train d'écrire une thèse. Donc il y a tout, il y a les archives de Brahms, il y a tous les instruments de musique possibles. Et ça, je trouve ça formidable, quoi, qu'on arrive à aider des jeunes à venir travailler en fait, ou même simplement vivre dans l'air de Baden. Innombrables vasques, laissant ruisseler les eaux murmurantes et apaisantes. À chacun sa fontaine, à chacun sa source d'harmonie. Zayen aura-t-il trouvé la sienne? Le soldat déserteur aura su découvrir son bonheur. Chaque trahison a sa splendeur. Et le vieil homme voyait déjà son lointain ailleurs. Sous les fines gouttelettes des magnifiques fontaines de la ville, objet de fantasmes. Mais vous pensez que vous avez besoin de 2h30. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 16 étapes. Vous allez être brossé avec du savon, sans savon, massé, enveloppé dans des serviettes. Puis vous finissez en apothéose dans une piscine, en fait, une copie des bains de Budapest, avec des mosaïques, avec du marbre, avec des statues, et vous êtes nouveau-né quand vous sortez de là. Moi, je serais ravie, je suis toujours là, je suis à Baden pour accueillir tout le monde. Les Algériens, les Parisiens, les Français, les Papous, tous ceux qui veulent venir à Baden, parce que c'est une ville de rêve. Caracalla, eau bénéfique connue de par le monde. Les Romains appréciaient déjà les vertus des sources thermales. Les bains sont aussi intéressants à visiter et offre un plaisir bienfaisant dans un large espace profitable à chacun. Zayen saura-t-il en profiter? Les sources d'eau chaude curative de 68 degrés jaillissent dans les deux bains thermaux de la ville. Douleur et stress disparaissent. Le vieil homme n'aurait-il pas voulu un nouveau corps et des joies préventives?
Baden-Baden étincelle les étoiles du ciel et de la culture. On se laisse porter par une joie et des rires muets inextinguibles quand la guitare du chanteur nous envahit. Baden-Baden est aussi le relâchement frénétique au rythme endiablé des discothèques. On danse et chante au pied de la forêt noire, lieu mythique pour les deux principaux personnages, le déserteur et le vieillard. Poètes, artistes, peintres, compositeurs y ont laissé leurs traces. Zayen, artiste aux multiples talents, a touché les esprits avec son titre Baden Baden. Alors, Madame Oran, tout à l'heure je vous ai raconté mon histoire, en fait l'histoire de la chanson de Baden Baden, et vous m'avez raconté une histoire d'un Algérien qui est parti pour faire la guerre, il était dans les rangs de l'armée française. Oui. Et qui est venu aussi à Baden et qui est tombé aussi amoureux d'une Allemande. Voilà. Mais lui, il a continué, il est resté dans l'armée française. D'accord. Il ne s'est fait pas déserter, Pas fait déserteur. Et puis on ne sait pas trop, on a dit que soi-disant il était mort, qu'il avait été blessé. La famille n'a jamais été très convaincue de l'histoire. Il y a une fille qui m'a appelé, qui m'a dit appeler en Algérie. Donc j'ai appelé en Algérie, puisqu'elle ne parlait pas français. Mais elle a vraiment un type vraiment algérien. Je veux dire, c'est pas une histoire brodée non plus, c'est une histoire vraie. Et elle avait l'espoir de retrouver son père, Elle avait l'espoir de retrouver son père, parce qu'il était persuadé qu'il n'était pas mort. D'accord. Et que finalement, il était reparti là-bas. Donc elle a connu son père, je crois, jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Et donc elle est restée toujours avec ce souvenir d'un père formidable, en fait. Hein. Bon, comme les enfants peuvent toujours avoir un souvenir extraordinaire d'un père, vrai ou pas vrai. Mais enfin, c'est un peu la même histoire que votre histoire, un Français ou quelqu'un de l'armée française qui est tombé amoureux d'une armée. Généralement. Donc on est venu, en fait, pour une histoire, on a retrouvé notre histoire, c'est la découverte. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Markus Brandenburg et je suis le directeur du casino de Baden-Baden. Zayen discute avec le directeur du casino. Il lui explique que celui-ci existe depuis 250 ans et bénéficie de nombreuses attractions dans un décor somptueux. Source d'inspiration pour le joueur de Dostoïevski, oui, et pour tant d'autres aussi. Pas tous écrivains, mais tous autant chercheurs de plaisir et d'émotion à travers la fumée et l'alcool, le bruit des machines à sous, le jeu de baccarat et de backgammon. En tout cas, on vous remercie infiniment pour votre accueil chaleureux. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. Baden-Baden sait recevoir ses hôtes. À Baden-Baden, il y a une véritable politique d'accueil. Petit verre de champagne dans un décor verdoyant, cuisine badoise du terroir, paysage ensoleillé de vignobles, et Zayen en a bien profité. Des personnalités du monde entier viennent séjourner dans cette ville, qui est un véritable paradis où on vient recharger ses batteries. Malgré la beauté de cette ville d'Allemagne, sa propreté, ses richesses, la beauté de sa flore et de sa nature, de ses paysages, un sentiment de nostalgie affleure et pointe néanmoins dans le cœur de Zayen. La pensée de son village natal, là-bas, loin, en Kabylie, village qu'il a de plus en plus envie de retrouver. سهل جدود دقلا لم صلى لم صلى ثدر في وندي دكرا أعين دروز دغا سهل جدود دسا C'est ici la maison
de l'imam. C'était une vieille maison. Elle a été rénovée par le village. Chaque villageois lui offrait à manger, chacun leur tour. Dès que la guerre d'Algérie a débuté, il a pris la fuite. On prend l'enfant, on lui donne le sein et on le recouche. Voilà. Oui, moi je le couvrais. Lui chantait déjà Baden Baden. Quelle joie de retrouver mon village natal, son soleil, la couleur des pierres et de la terre, le sourire des miens, l'odeur des oliviers et des figuiers, le goût de la nourriture de ma mère, les you-you de ma grand-mère. On m'a reçu comme un roi. J'étais ici, chez moi, à l'Amsala. Les eaux de Baden-Baden et les vertus curatives de ces sources thermales n'ont pas fait oublier à l'artiste ses références, les modestes fontaines de son village, source de vie. Bien que le casino de Baden-Baden offre un décor somptueux au milieu duquel les joies et des attractions sont nombreuses, les jeux de son enfance et leurs souvenirs restent inoubliables, dont les moments vécus étaient heureux et intenses. Les rythmes endiablés des discothèques, les grands concerts de musique classique sur la place du Crous à Baden-Baden, n'empêchent pas Ayane de se remémorer le magnifique moment des soirées conviviales, à l'ambiance enchanteresse partagée avec tous les habitants de son village, ainsi que les chants et les danses traditionnelles des femmes scandées par les percussions. L'intérêt de Zayen pour le charme des beaux châteaux de Baden-Baden ne peut en aucun cas occulter le souvenir des maisons anciennes de pierre et de terre de son enfance. Zayen a fait sien le rêve du jeune homme qui voulait partir à Baden-Baden sur les traces du déserteur rentré après la guerre, la tête pleine de souvenirs. Comme cela arrive parfois, c'est un passage de relais qui saute une génération, mais l'on arrive toujours à vivre ses propres rêves ou ceux d'autrui. Un proverbe kabyle dit « Sors de chez toi, tu grandiras ». Quand on quitte son pays, qu'on s'en va loin de chez soi, on découvre certes les richesses du monde. L'ailleurs a, semble-t-il, toujours son attrait. On imagine parfois pouvoir se délester de son ennui, de ses sempiternels soucis et agacements quotidiens. Mais, malgré des expériences enrichissantes, souvent à la hauteur du voyage entrepris, un meilleur là-bas, autre que chez soi, n'existe pas. Le retour sur soi-même, vers ses racines, semble alors inéluctable. De l'Emsela à Baden-Baden,
des tranches de vie différentes pour de jeunes hommes de Kabylie qui partent soit sous la contrainte ou qui ne trouvent jamais le moyen de partir, ou enfin qui partent de leur plein gré comme Zayen et en reviennent. De Lemcela à Baden-Baden, du village à la ville, que de destins se mêlent et s'entrecroisent entre ces deux continents que sont l'Afrique et l'Europe. Aux pinèdes bleutées des forêts de Baden-Baden se superposent les oliviers, aux racines tortueuses dont les feuilles argentées frémissent sous le vent tiède. De Lemcela à Baden-Baden, une histoire écrite et vécue par Zayen. شابر في المواعد عمار في غرف الدب ورضى الله عن تنيض عاوي بضان الفغيس يبوس عاوي زران بعدن بعدن ليه بعدن 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 Baden 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 Akitu feri tghanni wa mghari qatta aslan sawl ghas kirat dour anni ghas ana rouh akin azkani natfal babo arabi samha stayen يموتيني نصف عبري قول يصري بعدن 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 بعدن